لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ زلاف بيان فنوز مون بروف اديستانز اعزائي التلاميذ مرحبا بكم على قناة مون بروف اديستانز Dans cette vidéo, on va voir un résumé de cours accompagné de quelques exemples. Et, en, الفيديو, en Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Donc, euh, on va commencer par la définition de l'expression littérale. C'est ta tarif, factorisation, réduire une expression littérale, tapsi un ta développement, un identité remarquable, al donc, euh, on va commencer d'abord par la définition d'une expression littérale. Une expression littérale, الآن, définition, une expression littérale الحرفي, est une expression mathématique ou un comprenant une ou plusieurs une و chaque lettre représente un nombre variable والذي يمثل فيه كل حرف عددا متغيرا voici des exemples هذه هي بعض الامثله le périmètre le هو المحيط d'un rectangle محيط مستطيل de longueur 8 يعني طوله 8 et de largeur وعرضه a

لإر هو مساحة مساحة قرص دو غيون إر شعاعه إر سي كوا سي بي إر أو كاغي ستادير بي فوا إر فوا إر إذا مضروبة في الشعاع في الشعاع وكنكتبو إر أو كاغي دونك لو فوليم دان باراليليبيد حجم متوازي المستطيلات دو ديمونسيون هما الأبعاد يعني الطول والعرض والارتفاع a b c et a x b x c لاحظوا معايا هذا هو مثلا هذا سته ان اكزومبل اذا الا تلاحظون هنا ا غادي يكون هو الطول مثلا و بي والعرض و سي هو, هو الارتفاع نضربوا الطول مساحه القاعده في الارتفاع هي الطول في العرض كيعطينا هاد مساحه المستطيل اللي هو القاعده et on multiplie par la hauteur par exemple c x c et on, على لو Voici une autre expression. A, ah, ah, euh, c'est une expression littérale. 2 fois x au cube plus 5x au carré moins 1, demi x plus 1. Donc, ça d'une part. Maintenant, on va voir le développement et factorisation. Bien sûr, on a vu ça en première année du collège. Voilà. Ce n'est pas grave de. de Yani, les expressions A, B et K des nombres décimaux relatifs. Donc maintenant, bien sûr, il a les nombres euh, rationnels. Les de K fois A plus B. C'est quoi C'est K fois A plus K fois B. Donc de gauche à la droite, on a développé. Et de droite, vers la gauche, يعni, mais li, mais li ça, àceler, on a factorisé. Et ici, on a factorisé par quoi? Par nao... cas on verra ça avec le facteur commun, Donc, Lorsqu'on passe de gauche vers la droite, donc on dit qu'on a développé. développé ou factorisé, MLA, et Voici des exemples, d'où des exemples, un petit là. Donc, vous allez constater que ça ressemble à la première, avec donc K ici, roi 2, et A roi X, ou P roi 5, 2 fois X, plus 2 fois 5, donc 2 fois X, type 2X, tout simplement, plus 2 fois 5, plus 2 fois 5, c'est 10. Donc, on a développé quoi encore ici toujours adoraphie on développait on a regardé une roue factorisée une géométrie donc bien sûr on utilise cette règle là qu'on appelle la règle principale القاعدة الأساسية لـ développement factorisation يعني ال 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 النصر والتأمين ici x fois x regardez x nous trouvons x à droite et un x au carré Moins x fois y, donc on moins x, y, tout simplement. Ici, regardez. Donc, ça ressemble à... Donc, on a, euh, on a pour factoriser, normalement, la question, on a développé, on a fait j, a, on va on va factoriser. On a développé, on a factorisé. Donc, donc vous allez constater que je vais euh, chercher ce qu'on appelle le facteur comme l'âge

Donc, on dit qu'on a factorisé par 6. Deuxièmement, regardez. Ici, donc, je vais écrire y fois y plus 2 fois y. Donc, il y a un facteur qui est le facteur de l'amile du Y, voilà notre y. Donc, qu'est-ce que je vais écrire maintenant Y, parenthèse, facteur, on cool facteur y plus 2. Ça donc ou on a une remarque là pour s'assurer que c'est correct correct on peut euh, développer donc il a développé y fois y y², y au carré fois 2 y donc euh, c'est correct donc il a qu'il a on développe et il faut avoir l'expression la, 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 initiale, euh, on va passer à une autre chose c'est la factorisation, regardez bien. Donc, on va dire la factorisation, voici la définition. Factoriser une expression, factoriser une somme ou une différence, on a une somme ou une différence, on a une somme, adapte, plus, adapte, C'est quoi C'est transformer cette somme ou cette différence en un produit. On a on a factorisé somme ou la différence, on a هو نحوله الى آه هاد المجموعة او هاد الفرق اون آه ان برودوي الى جداء خاص يتكتب على شكل ضرب شي حاجة مضروبة في شي حاجة دونك غادي يسيو هنا كا ا بلوس يعني كا بي دونك عندنا ان اديسيون ياك وبيا ان صوم ها هي حولناها لان برودوي اش ولا عندي عندي كا فوا كيلك دونك كا فوا ا بلوس بي هنا كذلك عندي اون ديفيرونس عندي فرق ka a moins k b alors j'ai transformé à de la soustraction à de la, la différence pardon en un produit le produit où le jude jude d'element k ou a moins b. Oui? Euh, ici euh, pour factoriser ça donc bien sûr pour la factoriser regardez comment on arrive à ça ramonki a donc adingulo a adi factoriser ou a donc c'est un facteur commun a un indice c plus d plus, ici encore, regardez, je vais factoriser par B, là. B facteur de C plus D. Et après, regardez, j'ai un facteur commun, les wat C plus D. Le voilà. Donc, c'est C plus D fois la somme de A et B. Donc, on a utilisé la, 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 la règle principale. Donc, c'est la taille, essentielle. Maintenant, regardez. Euh, excusez-moi, c'est toujours, voilà. Maintenant, voici des exemples. Là, un petit a des exemples pour factoriser. Là, on a 4x moins 8. Donc, ça ressemble à quoi On dit que tu belle k fois a, moins k fois b. C'est-à-dire, on doit avoir un facteur commun. K, si on k 4 Donc, 4. Donc, je vais faire apparaître notre facteur commun. 4 x moins 4 fois 2. égal donc l'art égale 4 facteurs de x moins 2. Donc j'ai factorisé par le facteur commun. Ici, regardez. Donc l'ardomé 1, on va factoriser par b. Donc il b le facteur commun. Je peux écrire a plus 10 fois b ou bien b. Donc Donc ici, je vais factoriser par x. L'art domain x fois x, moins 3 fois x. Donc, je peux factoriser par x le facteur commun, x facteur de x moins 3. Ici, regardez. Donc, vous allez constater, à allez a x moins 3, c'est un facteur commun, on dit x moins 3 fois quelque chose, on a dit k fois a, on a dit k ou on a dit b. Donc, x moins 3, Parenthèse, donc il y a crochet ». Pourquoi Parce que j'ai des parenthèses ici. Donc, je de x plus 7, moins, un hein, de le moins, un de moins, l'extrême, ouais, moins, quoi Parenthèse, 7 moins x. Qu'est-ce que je fais après ben, C'est qu'on simplifier dit entre parenthèses, pour entre crochets. Donc, on va dire x plus 7, moins 5, plus x. On oh, a, je simplifie bien sûr, on simplifie, a dit, x plus x, ça va donner 2x. 7 moins 5, ça fait 2, plus 2. Donc, j'ai factorisé. Maintenant, réduire une expression littérale. Je n'ai réduire une expression littérale. C'est l'écrire avec le moins de termes possible. les termes termes. Voilà les termes. 1, 2, 3 4 5 6 7 z 8 donc pour réduire cette expression qu'est-ce qu'on fait شنو كنديرو je vais regrouper donc hadouk les termes semblables donc les حدود المتشابهه 4x3 مع -6x3 لاحظوا غادي نكتب 4 x3 -6x3 Après, 2x au, 3x au carré, 3x au carré, plus 5x au carré. Euh, moins 6x, plus 7x. Ou l'anglais, plus 7x, il vaut mieux que d'autres se plus, prennent à plus, moins. Moins 6x. Euh, quoi encore Moins 1, plus 3. Ou bien plus 3, moins 1. C'est ça donc, je répète, on dit. Donc, 4 x au cube moins 6x au cube. Les voilà. Et 3x au carré mais plus 5x au carré. Les voilà. Euh, moins. 6x moins 7x ou moins 12. 7x moins 6x. Et 3 moins 1. Ça y est. Et après, qu'est-ce que je fais? Je simplifie. Comment je simplifie? Là, il y a un facteur commun. Donc, on va utiliser. La, la factorisation. On a un système de la factorisation pour réduire. Donc, on a x au cube, x au cube. Donc, on peut dire dit 4, moins 6, fois x au cube. Comme ça. Ça fait, le dit 4, moins 6, fois x au cube. C'est 4, moins 6. 4, moins 6. Ça fait moins 2. Donc, on c'est moins 2, x au cube. Tout simplement. Et là, je ne vais rien écrire. Radingol plus 3 plus 5, là, je peux factoriser par x au carré. 3 plus 5, c'est 8. Donc, radingoule plus 8, x au carré. 7 moins 6, c'est 1. 1x plus x. 1x, c'est x. 3 moins 1, c'est plus 2. C'est tout. Et la même chose ici, neuf chez Ouna. Regardez. Qu'est-ce qu'on va faire Regardez. Donc on a un terme en x, on a un terme x, on a un terme x, on a un terme a, a, un terme a Donc je vais regrouper les termes semblables. Donc on a le même, la même lettre, on la même lettre, le Moins 5x plus 2a moins a. Donc il faut les ranger suivant on a le signe. a plus après le moins. 3x moins 5x, donc 3 moins 5 ça fait moins 2. Moins 2 fois x. Moins 2x. Deux 2 deux moins 1. On n'a rien 1. Donc, plus 1a, ça veut dire 1. Regardez maintenant. On a, regardez, on a 2ax. On a dit ax. On a dit ax. On a dit moins 2. On a dit 2ax moins 2ax. Je peux dire qu'on a deux termes qui sont opposés. On a -de deux 2ax moins 2ax. Ça fait zéro. On a regardé. On dit AY. On a dit AY. On a dit 1. Faites attention. Hein? Moins 3 plus 1. On dire moins 3 plus 1. Entre parenthèses 13 fois AY. Moins 3 plus 1. Ça fait moins 2. Moins 2 AY. Euh, maintenant, à, pour, pour ce qui concerne le, le réduire. On a développé. Développé ou l'axe du L -dial factorisé c'est l'écrire souffre galik développer un produit tout à l'heure je oui. a factorisé factorisation il a factorisé une somme ou une différence c'est transformer cette somme ou cette différence en un produit qu'en un produit une l'axe. maintenant développement. développer un produit donc le développer un produit juda nous sommes le cest l'écrit sous forme d'une somme ou d'une différence. Donc c'est Voilà. Donc de maille, on a développé. Donc euh, développer, souvent factorisé. Donc regardez, A B C sont des nombres rationnels, Donc voilà le développement, c'est très simple K fois A, K fois B. Donc, quand on a dit K fois A, on a dit K fois A moins K fois B. Ou on a, regardez, quand on dit A fois C, voilà. A fois D, le voilà. B fois C, le voilà. B fois D, le voilà. Et dans l'article, quand on a A fois C, A fois D, on a dit que c'est un peu B, etc. Donc, voici des exemples. Alors, on met un petit là. Donc, euh, 3x, donc, il y a un facteur, il ouais. a un on a dit. il a un produit, donc, a, il y a une somme. En lui, en a, et donc, 3x fois x, on a dit 3x fois x, on dit plus, on a plus. Donc, on a plus, 3x fois 5, Égal à 3x au carré plus 15x, Égal.

Donc, il y x fois x au carré. il y a x. Quand on les puissances, x puissance 1 fois x au carré, on a x au cube. Donc, faites attention, je n'ai rien écrit. Radine de x fois 90 plus, donc radine plus 4x. Moins 2 fois x au carré, regardez. Moins 2 fois x au carré, moins 2x au carré. Moins 2 fois plus, regardez. Moins fois plus, hein donc, c'est 1, donc c'est moins 2 fois 4, c'est 8. Et après, je peux euh, simplifier. Voilà qu'il y en a, les termes, ils ne sont pas semblables. Il y a x au cube, il y a moins 2x au carré, et il y a 4x, moins 8. Il y en a parfois, mais on peut il et simplifier. Par exemple, là-dedans, on peut en autre. Donc, si vous mettez un x plus 2, ou un x plus 3, facteur de x moins 5. Par exemple, donc à chaque x fois x, ça va donner x au carré, x fois moins 5, c'est moins 5x, 3 fois x, donc c'est plus 3 fois x, 3x, 3 fois moins 5, c'est moins 15. Égal. Moins 5x plus 3x, donc d'abord, euh, je peux simplifier. Donc, c'est une expression qu'on peut encore simplifier. Moins 5x plus 3x. Moins 5 plus 3. Donc, moins 2x. x au carré, ce n'est pas x au carré, ce n'est pas une multiplication. dit je Moins 5x plus 3x. Donc, c'est comme si on a factorisé par x. Donc, moins 5 plus 3, ça fait moins 2. Moins 2x, hein? hein? si moins, 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 moins 15. Tout simplement. On passe au suivant. Maintenant, les identités remarquables. Donc, euh, je m'excuse euh, à te dire On y a qui est moi. Donc, euh, la, la deuxième qui est une trois identités remarquables qu'on a vues déjà en première année du collège. première année du collège. Une identité remarquable, cest une identité humaine. Une identité remarquable une est une égalité une autre, qui est vraie, quelles que soient les valeurs données aux lettres qui figurent dans l'égalité. Et qui les exemples, c'est-à-dire l'identité, qui l'identité, il y en a d'autres, identités, que vous verrez, les années prochaines. surtout entre en commun, etc donc quels qu'ont été vraie meurent lorsqu'on on remplace même si, euh, pour euh, pour n'importe quelle valeur des lettres les lettres qui figurent fait l'identité, y'a ni qui martina en bera fait l'égalité toujours vrai, et du lieu les quatre ma l'identité remarquable donc n'a qu'une a plus b au carré égal à au carré plus deux a b plus b au carré qu'elle à la première mais qu'elle vous la première identité souvent qu'elle vous l'ait dit qu'il y a la deuxième ou qu'il y a la troisième, vous savez Qu'il y a A plus B au carré, c'est A au carré plus 2AB plus B au carré. A moins B au carré égale à A au carré moins 2AB plus. Faites attention. Il y a une bataille qui dit que c'est une erreur fréquente chez les élèves. Chez les élèves, c'est une erreur fréquente chez les élèves. Qui dit y a moins. Et qui dit a plus. Donc, elle se ressemble à qui est qu'il a moins. Donc, la différence, c'est qu'il y a plus ou il a moins. Voilà, c'est la même chose. Ici, c'est a plus b voit a moins b, c'est a au carré moins b au carré. Mais faites attention, la mousse qui nous indique a moins b, pardon, on a a plus b et ça va donner la même chose. Voici, donc a au carré moins b au carré. Donc là, mais a au carré plus b au carré. Donc faites attention, Donc adorace, ça, ça donne la même chose. Maintenant, voici des exemples. Voilà. Donc ici, donc, euh, J'ai choisi trois euh, cas parce qu'on a trois identités. hadi c'est la première. hadi de la première, la, première. la deuxième ou la troisième identité. Donc, bien sûr, j'espère que vous allez faire un effort avant de voir la solution. Donc ici, voilà. Et voilà B. Et là, a, il y a les, les nombres rationnels. Donc, pour développer, on développe en utilisant l'identité remarquable, bien sûr. Donc, on a A plus B au carré. Donc, on dire 2X. Faites attention, 2X entre parenthèses au carré plus 2. Elle a 2, on a l'identité fois 2X fois 1 sur 3. Donc, on 2, 2 2 fois A fois B plus 1 sur 3 parenthèse au carré. Ah oui? Donc euh, le reste du calcul, ça donc 4x au carré, plus 2 fois 2c4, 4 sur 3x, plus 1 sur 9. Ça Quoi encore? Donc j'ai développé la deuxième, b égale. Excuse, je m'excuse, donc on a ligne de 3 sur 2x au carré. Moins 2, non, la deuxième identité, fois 2 sur 3 sur 2x fois 2, plus 2 au carré. Donc, égal à quoi Égal, donc elle dit égal à 9, pardon, 9 sur 4x au carré, moins, je simplifie par 2, on a à 6x plus 4. Là, A plus B, A moins B, la deuxième identité remarquable. Donc, on va dire 2X au carré moins... Donc, A au carré moins B au carré, 5 sur 3, entre parenthèses. Faites attention, hein, 4X au carré moins 25 sur 9, tout simplement. On passe au suivant. Donc, euh, maintenant, factorisation. Et là, on va factoriser, bien sûr, ici... Euh, il s'agit de la factorisation en utilisant les identités remarquables. « Il la factorisation en utilisant les identités donc, donc ça nécessite un peu de, de réflexion. C'est pour voir quelle identité il s'agit de. Quelle identité Donc la première... Donc j'espère que vous allez faire un effort, bien sûr. Donc, la première, c'est l'identité numéro 1. Donc, dit que donc avez dit que plus avez un Donc vous avez dit que vous avez dit plus vous avez dit a au carré dit que b au carré que la deuxième dit que au à dit la vous avez dit plus B au carré, pardon, aura tout le A moins B. La troisième identité, on a A au carré moins B au carré pour écrire A plus B, A moins B. Ça y est? Donc, elle dit donc dit, ou c'est là ou c'est là. Donc bien sûr, on a des exemples. Donc euh, souvent les exemples, c'est pour euh, vous, euh, c'est une application directe, des les, les, les propriétés, les règles, mais Charles, les exercices, vous allez trouver ça dans les exercices que j'ai traités dans le manuel Animofid en mathématiques. Euh, j'ai traité des exercices plus difficiles. Donc, Tamarine, Yannis, يعني très Denn. Donc, regardez ici, donc euh, x au carré plus 2 fois x fois 1 plus 1 au carré. Oh, regardez, a au carré plus 2 fois a fois b plus b au carré. Donc, il s'agit de la première. Donc, étalon amorblou, là, a plus b au carré. Là, ici, il s'agit de la deuxième. Voilà qui me fait attention. Maintenant, je vais écrire 2x. Voilà, a. Voix 2x au carré, moins 2 fois 2x, les voix A, fois 5. Donc, faites attention, fois 5 plus 5 au carré. Ah oui? Donc, regardez que c'est bien 2x moins 5, le tout au carré. Donc, on a dit l'identité numéro 2. L'identité numéro 3, regardez, x au carré moins 3 au carré. C'est quoi ça? C'est x moins 3 facteur de x plus 3, ou bien x plus 3 fois x moins 3. Et à la prochaine vidéo.